Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Tarbouyat مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكم أعزائي الكرام أعزائي الكريمات فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. Et dans cette vidéo, inshallah, غادي ندير معكم contrôle continu numéro 2 puis un contrôle surveillé numéro 2 semestre 2 dans la production écrite. يعني la production écrite غادي نديرو الفرد الثاني. درنا الفرد الأول ديال la compréhension et langue et communication et aujourd'hui inshallah غادي نديرو la production écrite dans la deuxième année de l'enseignement collégial. اذا كنتمنى انكم تزيدوا دعموا قناة تربوية مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. عندنا 3 questions sont très simples. La première question, suivez avec moi s'il vous plaît. Complète le texte par la liste suivante. Donc, il y en a un texte ici. Il y en a une liste des mots. Il y en a théâtre, spectacle, comédien, jouet, scène, ouvre, écrite. Le est un lieu destiné à la représentation. Donc, est un lieu. Un chauffeur, je connais où est le lieu. Un théâtre, spectacle, comédien, jouet, scène, ouvre, écrite. Il y a un lieu, un théâtre ou scène. Le genre de l'homme, théâtre masculin, scène féminin. Donc, je connais le scène. Je connais la scène. Donc, on a le théâtre. Le théâtre. Le théâtre à Tchilia. Le théâtre est un lieu destiné à la représentation de quoi? Donc, je nous présenter le théâtre, le masra. Donc, on présente des spectacles, deux spectacles. C'est aussi l'art de la représentation d'ouvre par des. Et donc, ou aidan ou fen dial présentation des œuvres par des quoi? Je connais qui présente les ouvres. Donc, on met les comédiens. Vous faites les spectacles. Comédiens. Comme ça. C'est également un genre littéraire comprenant les. Comprenant quoi? Donc, quoi est un genre littéraire? Faire kikuno, les ouvres écrites. Les ouvres écrites. Donc, le qissas el maktoub. Pour être joué. Pour être joué. باش يلعبوها او يلعبوا الادوار ديالها كوميديان مشات ليا بقات ليا سين بار دي كوميديان دونك هاد لي زوفر اكريت كتلعب من طرف لي كوميديان من طرف الفكاهيين وبيان المسرحيين سور كوا سور سين على خشبه المسرح سور سين دونك لو تياتر اي ان ليو ديستيني على ريبريزونطاسيون دو سبيكتاكل سي اوسي لار دو لا ريبريزونطاسيون دوفر بار دي كوميديان. C'est également un genre littéraire comprenant les œuvres écrites pour être jouées par des comédiens sur scène. C'est bien. Donc, on a fini la première question. On passe à la deuxième. La deuxième question complète le tableau ci-dessous par les mots proposés. Il y en a un tableau de la structure d'une pièce de théâtre. Déjà, on a vu qu'est-ce que ça veut dire une pièce de théâtre, quelles sont les parties et quelles sont les étapes de cette pièce de théâtre. Donc, il y en a les mots. Le nous, le dénouement, la scène d'exposition et les péripéties. Donc, adna, première étape, deuxième étape, troisième étape et quatrième étape. On a déjà dit que la scène d'exposition se compose de 4 étapes. Adna, on commence par la première partie ou bien la première étape, c'est l'étape de la scène d'exposition. La scène d'exposition. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette scène d'exposition? On trouve quoi? On trouve un dramaturge qui présente des personnages, qui présente le lieu, qui présente le décor, qui présente le temps, etc. etc. Donc, dans cette scène d'exposition, c'est la première étape. On supprime la scène d'exposition. Deuxième étape, c'est l'étape du problème. C'est le nœud. Donc, le problème de cette pièce de théâtre. C'est bien. Troisième étape. C'est l'étape de quoi? C'est l'étape des péripéties. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire les péripéties? Péripéties. Ce sont quoi? Les actions déclenchées par le nœud. Ce sont des actions déclenchées ou bien causées par le nœud, par le problème. Donc, s'il y en a un problème, il faut faire des actions et des événements pour trouver la solution. D'accord? C'est bien. Donc, les péripéties sont des actions. Le nœud, c'est le problème. Donc, le nœud, c'est le problème. Problème. Les péripéties sont des actions. Les actions. C'est bien. Pour la quatrième et la dernière étape, c'est l'étape des
de dénouement. Le dénouement. Donc, dénouement, c'est la solution, d'accord? La solution. Donc, le hel, les canaux slowly, même pas les actions. Okay? Donc, la scène d'exposition, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est le nœud, ou bien le problème. Troisième étape, c'est les péripéties, ou bien les actions causées par le nœud, ou bien par le problème. Et la dernière et la quatrième étape, c'est l'étape de dénouement, c'est la solution où on trouve la solution. On passe maintenant à la troisième question et la dernière. À partir de l'intrigue suivante, donc il y en a une intrigue ici, c'est-à-dire le problème, il y en a un problème ici, c'est-à-dire une pièce de théâtre, une situation. La question c'est quoi? C'est formule le canevas de cette scène d'exposition. Je dois en dire, radin formule ou le canevas, ok? De la structure, ou bien le canevas, ou bien le plan. Karim, c'est un jeune homme de 27 ans, un paysan qui travaille sur ses champs jour et nuit. Il rencontre Yakout, la plus belle fille du village. Son père, c'est le bijoutier le plus célèbre et connu de la ville. Il s'appelle Mallem Kassam. Ce dernier refuse la demande de Karim pour épouser sa fille, car elle compte la marier à une personne riche et connue. Donc, on a Karim. عنده 27 عام هو فلاح اللي هو بسيط تلاقى مع واحد البنت مسميه ياقوت وهي اجمل بنت كاينه في الفيلاج. الوالد ديالها او باها مسمي معلم قاسم هو اكبر انا نقولوا اللي كيبيع لي بيجو كيبيع المجوهرات اكبر بائع مجوهرات في المدينه. هاد الاخير يعني المعلم قاسم الى ريفوزي دونك رفض انه يزوج بنته لهاد كريم حيتاش بغا هو بغا يزوجها لواحد الراجل اللي هو غيش ايكوني بغا يزوجها لواحد الراجل اللي هو عنده فلوس ومعروف بزاف. دونك هنا عندنا لو كانفا دو لا بيس دو تياتر بور لو بروجي مارياج مالغري لوي سي كونسيرنون سيت سين ديكسبوزيسيون دو كريم ياقوت اي معلم قاسم. دونك اون شيرش لي بيرسوناج برينسيبو كيل سون لي بيرسوناج il y en a dans cette scène d'exposition trois personnages. Il y en a Karim, il y en a Yakout, et il y en a Mallem Qasem. Donc Karim, c'est quoi? C'est un jeune homme. C'est un jeune homme de 27 ans. Pour Yakout, c'est la plus belle fille du village. Pour le Mallem Qassam, c'est le père de Yakout, c'est le bijoutier le plus célèbre okay? Pour le décor, c'est quoi le décor? Décor ou bien le lieu? C'est donc le lieu vient de cette pièce de théâtre. Le décor, c'est les cours, par exemple, les cours d'eau, ou bien les arbres fleuris. Le temps, par exemple, un matin de mai, par exemple. Un matin de mai, ça c'est le temps. Ok? Donc, بهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص الفرد الثاني في الدورة الثانية من فروض المراقبة المستمرة المستوى الثاني الإعدادي في اللغة الفرنسية la production écrite. Donc, j'espère que vous allez très bien et j'espère bien أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. N'oubliez pas de s'abonner et de liker cette vidéo pour avancer. Merci beaucoup et au revoir.